السلام عليكم، معكم أستاذ محمد السعيدي في تصحيح تمرين المتتاليات العددية لامتحان الوطني 2020 في الدورة العادية للثاني بكالوريا علمية. Cet exercice est composé d'une suite de la forme UN plus 1 est égal à UN plus B sur CUN plus D. Exercice 1. Soit la suite UN définie par U0 est égal à 3 demi et UN plus 1 est égal à 2 UN sur 2 UN plus 5, quel que soit N appartenant à N. La question 1, calculer U1. La question 2, montrer par récurrence que UN est strictement supérieur à 0, quel que soit N appartenant à N. Troisième question, petit a, montrer que UN plus 1 strictement supérieur à 0, il est inférieur ou égal à 2 cinquièmes de UN. Puis, on déduit que UN est compris entre 0 et 3 demi 2 sur 5 à la puissance N. Petit b, calculer alors limite UN. La quatrième question, on pose VN est égal à 4 UN sur 2 UN plus 3, quel que soit N appartenant à N, et on demande la question A, montrer que VN est une suite géométrique d'horizon Q est égal à 2 sur 5. Et B, calculer VN en fonction de N, puis en déduire UN en fonction de N. Voilà. La question 1, calculer U1. Alors, comment on calcule U1? Eh bien sûr, on a une relation entre UN plus 1 et UN d'après la question, parce que cette suite, c'est une suite récurrente. C'est pour cela qu'on a UN plus 1 est égal à 2 UN sur 2 UN plus 5. Et pour calculer maintenant U1, il suffit donc de remplacer N par 0. On va trouver UN est égal à 2 U0 sur 2 U0 plus 5. Bon, U0 est donné, c'est 3 sur 2. Donc on a remplacé U0 par 3 sur 2. Donc 2 fois 3 sur 2 sur 2 fois 3 sur 2 plus 5. On simplifie par les 2 ici et 2 ici. On va trouver 3 sur 3 plus 5, qui est égal à 3 sur 8. Alors, U1 est égal à 3 sur 8. La question 2. Montrons par récurrence que UN est strictement supérieur à 0, quel que soit N appartenant à N. Récurrence. Premièrement, pour N est égal à 0, on a UN, plutôt U0 est égal à 3,5, les données. Et évidemment, 3,5 est supérieur à 0. Donc, U0, qui est égal à 3,5, se trouve supérieur à 0, c'est vrai. Donc, tout ça, c'est vrai. C'est-à-dire que cette propriété est vraie pour N est égal à 0. Deuxième étape, la supposition. Supposons que UN est supérieur à 0 et on montre que UN plus 1 est supérieur à 0. Voilà ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Là, c'est la démonstration. Bon, la troisième étape, c'est très très important, c'est la démonstration. Bon, alors, on a supposé que UN est supérieur à 0, voilà. Alors, comment on passe de UN supérieur à 0 pour démontrer que UN plus 1 est supérieur à 0? Tout simplement, puisque UN est positif, donc 2UN se trouve aussi positif. Et 2UN plus 5 se trouve aussi positif. Et là, UN plus 1, il ne faut pas oublier que UN plus 1 est égal à 2UN sur 2UN plus 5. Voilà. Donc, ce rapport, 2UN sur 2UN plus 5, se trouve supérieur à 0. Et tout ça, c'est quoi? C'est UN plus 1. Donc, UN plus 1 supérieur à 0 est ce qu'il faut montrer. En question 3, petit a, montrons que UN plus 1 est compris entre 0 et 2 sur 5 UN. On va montrer ça. Pour montrer que UN plus 1 est égal à 2 sur 5 UN, il suffit de faire la différence, soit UN plus 1 moins 2 sur 5 UN, ou bien 2 sur 5 UN moins UN plus 1, comme vous voulez. Alors, on commence, si vous voulez, par UN plus 1 moins 2 sur 5 UN, et on essaye de montrer que c'est un nombre négatif. Voilà. On a UN plus 1 moins 2 sur 5 UN, on remplace UN plus 1 par sa valeur, on va trouver 2 UN sur 2 UN plus 5. Adi koul haye h, il y a UN plus 1. Adi. Moi, 2 sur 5 UN, j'ai laissé comme ça.
La suite est égale. Alors, à 2 sur 5, un est égal à 2 et 1 sur 5. Exactement. Alors maintenant, on a 2 et 1 sur 2, 1 plus 5 moins 2 et 1 sur 5. Il suffit tout simplement de faire même dénominateur. Tout ça est égal à combien? 2un fois 5, 2un fois 5 est égal à 2, 10un, moins 2un, multiplié par ce dénominateur, le roi, 2un plus 5, entre parenthèses. Donc, moins 2un, entre parenthèses, 2un plus 5, sur 5 fois 2un plus 5. On va trouver 2un, 10 plutôt un, moins 4un au carré. 2 fois 2, ça fait 4. Un fois un, ça fait un moins 4. Le moins 2n plus 5 fois, non, moins 2n fois plus 5, ça va nous donner moins 10 un. Et on a une simplification ici, ça se voit très très clair. 10 un moins 10 un, ça s'en va, ça donne 0. Et tout ça est égal à combien? Voilà, moins 4 un au carré sur 5 fois 2n plus 5. Bon, les deux numérateurs sont positifs. Le numérateur 4un au carré positif, au fait, le moins, donc tout ça c'est négatif. Cela résulte ou bien montre que un plus 1 moins 2 sur 5un, il est négatif. Autrement dit, un plus 1 inférieur ou égal à 2 sur 5un, ce qu'il faut montrer. Or, on a 0 inférieur ou égal à un plus 1. D'où un plus 1 supérieur à 0. Inférieur ou égal à 2 sur 5 un. On déduit que un est compris entre 0 et 3,5, 2 sur 5 à l'absence n. Bon, comment ça? On a, d'après la question précédente, petit a, que un plus 1 est compris entre 0 et 2 sur 5 un, quel que soit n, quel que soit n. Donc, je peux particulariser le n, et je prends si vous voulez, si n est égal à 0. Là, si n est égal à 0, on va voir quoi? 0, inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à quoi? À 2 sur 5, U0. Et il est rien. Bon, si je prends à la place de 0, je prends n est égal à 1. On va trouver U1 plus 1, donc c'est U2. Donc U2 se trouve entre 0 et 2 sur 5, U1. Etc. Si je prends n moins 1 dans ce cas, 0, il est compris entre un moins 1. Bon, 0, inférieur à un moins 1, inférieur ou égal à 2 sur 5, un moins 2. Le terme suivant, il est compris entre quoi? 0 et 2 sur 5, le terme précédent. Et là, le terme qui suit 0, il est compris entre 0 et 2 sur 5, U0, etc., etc. Là aussi, là, bon, n moins 1, c'est le terme qui suit un moins 2. Donc, le terme suivant, il est compris entre 0 et 2 sur 5, le terme précédent. Là aussi, le terme suivant, un, est compris entre 0 et 2 sur 5, le terme précédent. Alors, tout ça, nous avons maintenant combien d'inégalités? On a commencé de 1 jusqu'à n. Donc, on a ici h, n inégalités. On multiplie membre à membre ces n inégalités et on simplifie par le même facteur et on obtient. Bon, 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois 0, n fois 0. Là, U1 fois U2 fois U3 fois jusqu'à UN moins 1 fois jusqu'à UN. Il est inférieur ou égal à combien? 2 sur 5 U0 fois 2 sur 5 U1 fois 2 sur 5 U3, etc. 2 sur 5 UN moins 2, 2 sur 5 UN moins 1. Nous avons ici 2 sur 5, 2 sur 5, 2 sur 5, n fois, n facteur. Donc nous avons 2 sur 5 à l'absence n. Et nous avons ici 1, U1 là, se simplifie avec U1 ici. Le U2 là, simplifié avec U2 ici. Le UN-2 là, simplifié avec H, UN-2 ici. UN-1, se simplifie avec UN-1. Il nous reste tout simplement, d'après la simplification, il nous reste tout simplement quoi? UN, il est compris entre 0. Et nous avons, je dis bien, 2 sur 5 fois 2 sur 5 fois 2 sur 5 fois 2 sur 5 jusqu'à 2 sur 5 n fois, qui est égal à 2 sur 5 n à l'absence n. Et il nous reste U0 fois U0. Je remplace U0 par sa valeur. UN, il est compris entre 0 et 3 sur 2. 3 sur 2, U0. Prenez comme il est. 2 sur 5, l'absence N, ce qu'il faut démontrer. La suite. Troisième question B. Calculons limite UN. Bon.
On sait très bien que UN, d'après la question précédente, que UN est compris entre 0 et 3 sur 2, 2 sur 5 à l'absence 1, quelle que soit N. Ben, on passe à la limite. Donc, limite de 0, c'est 0. Limite UN inférieur ou égal. Ça sera inférieur ou égal. Inférieur ou égal à quoi? Limite UN. Limite 3 sur 2, 2 sur 5 à l'absence N. Je rappelle que si on a VN inférieur à UN inférieur à WN, cela implique que limite VN inférieur ou égal, limite UN inférieur ou égal à limite VN. Or, 2 sur 5, elle est compris entre moins 1 et 1. À 2 sur 5, elle dit. Puisqu'elle est compris entre moins 1 et 1, et là, on a la limite, il y a là, 2 sur 5 à l'absence 5, ça donne 0. Donc, limite de 2 sur 5 à l'absence 5 est égal à 0. Alors, on va trouver tout ça à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que limite UN est compris entre 0 et 0. Et là, quand tu compris entre 0 et 0, forcément, limite UN est égal à 0. Donc, par suite, limite UN est égal à 0. Voilà. La question 4, on pose VN est égal à 4UN sur 2 et 1 plus 3, quel que soit N, appartenant à N. On demande de montrer que VN est une suite géométrique de raison Q est égal à 2 sur 5. Alors, pour montrer qu'une suite est géométrique, il suffit de faire quoi? Oui, exactement. Il suffit de montrer que VN plus 1 est égal à Q fois VN avec Q, c'est un réel indépendant de N. Alors maintenant, on va commencer par VN plus 1. À quoi est égal VN plus 1? On a VN plus 1 est égal 4UN plus 1 sur 2UN plus 1 plus 3, d'après la définition de VN. VN est 4UN sur 2UN plus 3, donc VN plus 1 est égal à 4UN plus 1 sur 2UN plus 3. Voilà, exactement. Alors maintenant, je veux remplacer UN plus 1 par sa valeur. Faut que Alors voilà, il est égal à 4, ça reste comme ça, ailleurs. Ou had l'UN plus 1, il y a dit. Voilà, exactement, il y a dit exactement. C'est vu? Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Regardez très bien. Hadi, 4 fois 2, ça fait 8UN. 2UN plus 5, ça ne pas comme il est. Et là, donc, on va trouver 2 fois 2, ça fait 4UN. N'est-ce pas? Ou on va 3, ça fait 2UN plus 5. 3 entre 2UN plus 5. Je vais dire, c'est ça? Alors, entre parenthèses, il reste 8UN sur 2UN plus 5, comme il est. Voilà qu'il y a une hachita de la croix. 4UN plus 3 fois 2, ça fait 6UN plus 15. Donc 4UN plus 6UN plus 15, on dit 4UN plus 6UN est égal à combien? 10. Donc 8UN sur 2UN plus 5 sur 10UN plus 15 sur 2UN plus 5. Donc c'est égal à combien? 8 sur UN, 2UN plus 5, comme il est. On va faire un club de l'aide. 2n plus 5 sur 10 et n plus 15. On va simplifier h. Simplifier b. On va donner h. 8 et n. Voilà. 8 et n sur quoi? 10 et n plus 15. Bon, ici, 8 il y a 2 fois 4. Je veux faire 5 en facteur. 2 fois 4 et n. On va dire 5 en facteur. 5 entre parenthèses, 2n plus 3. Nous 2 sur 5 bouhida. 2 sur 5 fois 4UN sur 2N plus 3. Ou est-ce qu'il y a VN? Ah, je remarque que tout ça c'est VN. Donc tout ça est égal à combien? 2 sur 5 fois VN. Alors on a trouvé combien maintenant? On a trouvé que VN plus 1 est égal à 2 sur 5 VN. Cela montre que la suite VN est une suite géométrique. VN est une suite géométrique de raison 2 sur 5 et V0 est égal à 1. Si je remplace ici, V0, je remplace 1 par 0. V0 est égal à 4U0 sur 2U0 plus 3. Et on va trouver que c'est 1. Voilà. On a montré maintenant la suite est une suite géométrique VN. Calculer VN en fonction de N, puis déduire U1 en fonction de N. Bon, c'est très très simple. On avait N déjà montré que c'est une suite géométrique de raison Q est égal à 2 sur 5. Et dans le premier terme, V0 est égal à 1. Et on sait très bien le terme général d'une suite géométrique est égal à VN est égal à V0 fois Q à l'absence N. C'est clair, on voit très bien ça. Le terme général d'une suite géométrique. Je remplace V0 par sa valeur, Q par sa valeur, et on va trouver, sans peine, Vn est égal à 2 sur 5 en l'absence n, V0 c'est 1, tout ça, et Q c'est 2 sur 5. Et voilà, on a trouvé Vn en fonction de n. Bon, on va déduire que un en fonction de n à quoi est égal. Bon, voilà, nous avons une relation entre, voilà, regarde très bien, nous avons une relation entre Vn et En. Ah, Vn et En. On va trouver, on va essayer de trouver maintenant En en fonction de Vn.
Comment? Alors, voilà. VN multiplié par 2UN plus 3, c'est égal 4UN. Alors, on va faire la quoi, c'est égal. 2 VNUN plus 3 VN est égal à quoi? 4 UN. Oui, j'ai laissé 3 VN ici. 4 UN, ou dina hadi le tarif l'akhor, ou y'en a l'échara. 4 UN moins 2 VNUN. Quand on a le UN, on dira un facteur. Voilà, 3 VN est égal à UN facteur de quoi? 4 moins 2 VN. Et tout simplement, on va dire maintenant, UN quoi est égal en fonction de VN. Alors, UN est égal à combien? Bien évidemment, VN ما يمكنش هذه ما يمكنش تكون تساوي صفر. لكن تساوي صفر معناها القان VN est égal à 2 ما يمكنش. Alors, UN est égal à combien? Voilà. UN est égal à 3 VN sur 4 moins 2 VN. Il faut faire attention que, ou bien signaler que 4 moins 2 VN est différent de 0. Ah oui. Alors, équivalent à quoi? UN est égal à combien? 3. VN derrière 2 sur 5 absence N. 4 moins 2 sur 5 absence N. Et je vais laisser comme ça, UN, comme ça, là, est écrit maintenant en fonction de N. Voilà, merci à votre attention et à bientôt.